C'est maintenant officiel qu'Imari Cohen a annoncé qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison 2021. Bon, on le soupçonnait, mais maintenant, c'est clair et net, c'est sûr et certain. C'est maintenant annoncé. Il a révélé la nouvelle sur Instagram mercredi soir avant le Grand Prix des Pays-Bas. Ça y est, ce sera ma dernière saison en Formule 1, déclara Eric Cohen. C'est une décision que j'ai prise l'hiver dernier. Ce n'était pas une décision facile, mais après cette saison, il est temps pour moi pour essayer de nouvelles choses. Même si la saison est toujours en cours, je tiens à remercier ma famille, toutes mes équipes. Toutes les personnes impliquées dans ma carrière de pilote et surtout vous, tous les grands fans qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. La Formule 1 pourrait prendre fin pour moi, mais il y a beaucoup plus dans la vie que je veux expérimenter et apprécier. À bientôt après tout ça. Cordialement, Kimi. Bon bah pff, moi je pense que c'est normal, hein, faut qu'il tire sa révérence au bout d'un moment. Il était temps qu'il s'arrête. Euh, je dirais même que c'est presque la saison de trop là. Bon, on verra, hein, on fera le bilan à la fin, mais pour l'instant c'est mitigé hein, cette saison 2021 pour Kimi Rikonen. Donc je pense qu'il a perdu un peu de motivation aussi. Et voilà, bon et après il aura eu une grande carrière en F1, un hein, titre de champion du monde et tout, plein de victoires. Donc euh, franchement, euh, il a eu une très belle carrière en Formule 1. Et ce qu'on le reverra dans d'autres sports automobiles, ça, ça reste à voir. Voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire de la déclaration de Kimi Räikkönen sur Instagram. Je vous laisse réagir suite à, à cette annonce. Choc. On pensait qu'il annoncerait sa retraite à Monza, ben non, directement il l'a fait là. Pourquoi attendre plus Après tout, allez bye bye.